C'est l'heure de la politique avec vous Charles, vous scrutez le, le monde politique et Jean-Luc Mélenchon a été l'invité hier des GG. Oui, Mélenchon dans les grandes gueules, affiche alléchante, c'est un peu le client idéal, hein. l'émission n'a jamais aussi bien porté son nom. Bonjour Monsieur Mélenchon. « Bonjour. Mais dans quel pays on est, là Je me tue à vous dire qu'il y a urgence sociale. Vous pensez à tous aux faux gens. C'est vous la... qui faites de la Je... propagande. Mais faites ton... honneur à votre à intelligence. À ça vous plaît ou ça vous plaît pas, vous autres les vieux, mais c'est comme ça. Alors, les grandes gueules, qu qu'est-ce que vous les pas. Vous avez tous fait trois sauts périlleux arrière. Eh oh, on est en France, là, au oh, doucement. » Eh oh Bon, très en forme, il a déroulé ses propositions sur l'économie, sur la police. Mais on attendait aussi sa réaction face à sa nouvelle concurrente à gauche. Qu'est-ce que vous pensez d'Anne de cette candidature euh, Rien, Je pourrais être honnête, rien. Elle veut doubler le salaire des profs, c'est assez spectaculaire. Ah ça c'est clair que c'est spectaculaire, mais pardon de dire que je ne suis pas d'accord, parce que j'ai eu la curiosité de calculer. Eh bien multiplié par euh, 2 pour tous les profs, ça vous donne 60 milliards. Ah, c'est pas rien. Admettez que c'est une somme qui mérite débat. Hein Bon, là, non, comme ça, pouf Moi, je dis seulement que autrefois le PS avait une culture de gouvernement. Donc, il s'est forcé de proposer des mesures dans un cadre d'ensemble. Là, on raconte ce qui passe par la tête. Voilà, elle raconte ce qui lui passe par la tête. Jean-Luc Mélenchon, qui donne des leçons. Il n'en pensait rien, mais il en pensait quand même. Oui, il avait quand même un avis très <laughs> tranché sur la question. Et puis, tiens, toujours au sujet de l'éducation, on a aussi découvert que Jean-Luc Mélenchon avait une manière bien à lui de prononcer le mot instit. Un prof, c'est bac plus 5 pour être un STI, D'accord, ma mère a été recrutée en STI à BEPC et c'était une bonne insti, un je m'empresse de vous le dire. Insti à la place d'instit, bah pourquoi pas Il y a bien des gens qui disent to be à la place de tobib ou exa à la place d'exact, voilà, il a sa petite manière à lui non, en je serais conclusion... pour pasti à la place de pastis. Ah oui. pas mal. Moi je suis pour sli à la place de slip, voilà. ah, J'ai oui, beaucoup réfléchi à cette question, à <laughs> toutes ah, ces lettres qu'on pouvait ah. enlever. Pourquoi pas J'aime bien ce nouveau jeu. En conclusion, en conclusion, Jean-Luc Mélenchon a résumé à sa façon les enjeux de la présidentielle. Les Français vont choisir. Est-ce que vous prenez quelqu'un de l'extrême droite qui vous explique que la solution, c'est de jeter les musulmans à la mer Ou est-ce que vous allez prendre quelqu'un de droite ou macroniste qui va vous dire euh, la liberté du marché, chacun pour soi, c'est comme ça qu'on s'en sort Ou bien est-ce que vous prenez quelqu'un qui est dans la famille de tous ensemble Et dans la famille de tous ensemble, celui qui est devant, c'est moi. Celui qui est devant, c'est moi. Et d'ailleurs, la République aussi, c'est lui. Exactement. <laughs> <Mais> c'est <laughs> lui qui apparaîtrait presque le plus sérieux sur le plan de la gestion des finances publiques. C'est le monde à l'envers, quand même. Oh, ça, plaît, ça plaît à, ah, à suis Raisonnable